fiers partenaires de l'émission Fort Boyard et de son camp de sélection. Énergie Cardio vous invite chaque jour à relever de nouveaux défis et à vous dépasser, comme le font les candidats en compétition. Énergie Cardio, on change le monde. Je pense qu'on s'en est bien sorti, là. L'épreuve la plus dure pour vous autres, ça a été quoi? C'est la brique, sérieux? À cause qu'on est brûlé. Ah, pour vrai? À cause qu'on est brûlé du reste, non? Même matin, j'arrive ici, je fais ça, easy shot, rien. Hein? Mais... Mais sérieusement, dans l'eau, habituellement, t'es-tu... est-ce que t'es quelqu'un d'à l'aise? Plus ou moins. Moins que la plupart des gens, mais je connais du monde qui sont pires comme aussi. Bien, c'est clair, mais là, tu viens de faire quelque chose de très, très difficile, là. C'est très dur. Heureusement que t'avais les bonnes indications de Dave et moi de bien pointer les pieds. Pointer les pieds, ça fait... C'est très important, parce que ça crée une sorte d'aérodynamisme, tu vois? C'était plus élégant. Pour les images sous-marines, ça va être magnifique. C'est notre deuxième nom, mais c'est évident. Je suis vraiment content, je vous le dis. Je suis content. La dernière épreuve, là, c'était sûrement la plus difficile. Ouais. C'est ça, Fort Boyard. Puis c'est ça, vous encouragez. On était là autour de vous autres. Je suis fier de vous autres. On est des machines! Pourquoi on vous amène au fort? On nous amène au fort parce qu'on est énergique, qu'on donne un bon show, puis c'est ça qu'on veut, sérieux, là. On veut voir. Sérieux, je pense que c'est ça qu'il faut, là, puis je pense qu'on a besoin du monde pour représenter les barbus à Fort Boyard, là. C'est vrai? C'est sûr, le monde va se rappeler les deux barbus de Fort Boyard, ça c'est sûr, sûr, sûr. Ça se pourrait. On va donner un show. Moi, je pense que oui, je pense que ça nous prend deux barbus. Ça se pourrait. Et sur 10, vous vous donnez une note de combien? Si on pense pas performance. Pas la dernière performance? Moi, je dis qu'on doit avoir à peu près au moins 12 ou 13 pour le reste. Là, ici, on se tient à peu près à quoi, 9,5 à peu près. Si l'épreuve, ça avait juste été le matelas gonflable qui est là, ben, je pense que j'ai excellé là-dedans. Ça doit être à cause du fait qu'on est des ninjas ou quelque chose. J'ai sauté par-dessus quasiment. Hey, les gars, en tout cas, pour la détermination, vous méritez 20 sur 10. Bravo! Bravo! Merci beaucoup! Merci, je vous souhaite que ça fonctionne. Bravo!